Mardi 17 novembre 2020. Nous comptons l'autre fois pour nous saluer toutes frères et sœurs, toutes côtés situés, nous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous dit l'Éternel merci. Yon l'autre fois nous rencontrer dans même émission étude biblique là. Et comme on connaît déjà, c'est dans livre Isaïe n'a pas étudié. Mais nous souhaitons que l'Éternel rete avec chacun de nous dans l'occasion. Comme nous connaissons, avant de commencer, nous toujours prier, à nous prier le Seigneur. Notre berger, nous rendons gloire et honneur à vous pour amour, pour grâce ou envers nous, cher Seigneur. Pour miséricorde, pour pas jamais bouquer manifester, cher Seigneur, dans la vie, non. Je dis encore l'Éternel, vous permet ensemble, nous capables de rencontrer dans l'émission Tascafis et puis tu es là, dans l'étude biblique, là, l'Éternel, surtout, nous m'en dorité avec nous. Nous l'avons fait boubé à Ricide, nous m'en avec toute famille, l'Éternel. Dans le moment, ça, cher Seigneur, nous l'avons fait, c'est Virginie, nous m'en avec toute famille, l'Éternel, papa. Et non la guide Dieu tout puissant et dans moment ça toute Naomi noyo Naomi Horacius, Naomi Jolie, Naomi Joseph, Naomi Parmelius, Naomi Saint-Jean, Naomi Saint-Fleur et la Naomi Civil, Naomi Saint-Ville, non la guide tout nom et non la guide Mbeli namon, non la guide également la Naomi Frédéric, c'est une liste longue de Naomi. Non la guide l'Éternel Baba tout Darlene namon, Darlene Saint-Surin, Darlene Massé, Darlene Pierre-Louis, Darlene Arnaud. Non la guide tout namon et tout l'autre Darlene yo cher Seigneur. Nan moment ça non la guide frère Marc Claude namon, frère Marc Fritz, frère Fritzner, frère et sœur Fritzner, frère et sœur et Joseph, frère et sœur Johnny, frère et sœur Johnny également depuis Trujillo. Non la guide namon, frère et sœur pasteur et Bastien, pasteur Bastien Rodrigue Dieu tout puissant depuis Cabaret Trujillo, non la guerre l'Éternel, nan mon également, c'est Déborah, nan mon Dieu Tout-Puissant. Et non la guerre, frère et sœur Nicolas, non la guerre toute situation zone, nan mon Dieu Tout-Puissant. Et non mando l'Éternel pour la gloire de ton nom, fais délivrance parce que c'est vous-même qui est seul maître, c'est vous-même qui est seul sauveur. Non la guerre, c'est Myrta Nicolas, nan mon na occasion, l'Éternel, papa. Et non la guerre, c'est Myrta Jean-Baptiste, frère et sœur. Et gentil, non, mon Dieu Tout-Puissant. C'est Wisland, non, la guéli, non, mon Dieu Tout-Puissant. Non, la guéli, c'est Sheila, et non, mon frère, c'est Lisefirin. Non, la guéli, frère, Oni, Parmelius, non, moi, avec toute responsabilité, li, madame, ni petite, li, oh, Dieu Tout-Puissant. Et non, la guéli, c'est Daïva, non, mon Dieu Tout-Puissant, ensemble avec Marie, li, petite, li, cher Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Non, moment, ça, non, la guéli, frère, Voltaire donne nan mon Dieu tout puissant. Nan la guerre frère et sœur Voltaire donne nan mande répondre grâce au cher Seigneur. Nous connons capable l'Éternel, rien n'est impossible à toi. Aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible. Donc nan la guerre nan mon Dieu tout puissant et nan mande faire grâce l'Éternel et nan la guerre c'est Sony donne, c'est Yannick donne consoler Dieu tout puissant frère Jocelyn. Frère Franklin donne toutes les branches donne nous la guerre dans mon Dieu tout puissant et nous la guerre l'Éternel frère Georgie bon amour cher Seigneur c'est Christmen Seigneur toutes les branches Seigneur nous la guerre dans mon cher Seigneur et nous m'adore répondre grâce au Charles Jean Dus dans moi c'est Claire Mita destinée pasteur Emmanuel Jean Denis nous la guerre dans mon Dieu tout puissant c'est Ruth cher Seigneur. C'est Ivanita, c'est Yol, c'est Bonnet, c'est Gisner. Nous l'avons également, c'est Frère et Sœur Renol. Tout le monde sait, nous l'avons dans mon avec toute famille, l'Éternel. Nous l'avons tout notre frère et sœur que nous n'avons pas de chance pour nous citer. Que nous bénissons, que nous glorifions notre bon sauveur. Chers frères et sœurs, nous l'autre fois, nous tournons dans l'étude nous, que nous, dans Isaïe chapitre 22, nous avons une chance pour nous t'aider dans la dernière étude là. Qui genre de cas de pleurs, comment grand pile douleur, parce que l'Éternel a fait frapper Israël.
Frères et sœurs, nous voulons toujours connaître ça. L'Éternel, et l'Éternel, doit obéir à la parole de Dieu ou pas obéir. L'amour, l'Éternel, même si l'Éternel est un Dieu d'amour, mais la parole l'a dit, l'Éternel est un Dieu juste. L'Éternel va accepter pour nous fonctionner n'importe comment. L'Éternel va accepter pour nous faire ça, l'idée nous dit non. Les gens pour nous fonctionner. C'est pas parce que l'Éternel pas rien peuple non, c'est pas parce que surtout Israël d'ailleurs, non toujours dit ça, Israël sont peuple de l'alliance liée. L'Éternel a signé un contrat avec Abraham, Isaac et Jacob en faveur de ce peuple. Mais si yo égaré, yo lagué dans mauvaise direction, c'est normal, oui frères et sœurs, pour l'Éternel redresser yo, car la parole de Dieu dit l'Éternel châtie petit li remè. Les malheureusement et non souvent joine ça dans ti moun yo, les maman yo ousman papa yo sévère à l'égard de eux-mêmes, yo konn met nan tête yo maman yo pa renmen yo papa yo pa renmen. Non, là yo sévère à l'égard de eux-mêmes, c'est vle pite ou ta vle vin un bon bagay dans société a, parce que moun nan pa vle pour petit li hein pote une série de mauvaises réputations, fa font une série de bagages sales dans société a. Donc l'Éternel s'est consolé parce que tout peuple sous la terre c'est pour bon Dieu, mais Israël en particulier à cette occasion de l'Ancien Testament, c'est des peuples parlés. Normalement avec la venue de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, et le monde entier vient uni à partir du sacrifice de la croix. Mais il faut que tout le monde comprenne que l'Éternel pas accepter n'importe bagaille dans mes noms. N'appli à partir du verset 13. Et voici de la gaieté, de la joie, on égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Frères et sœurs, le verset 13 du chapitre 22 a nous aidé à comprendre ça. Esaïe, ça l'Éternel révélé à Esaïe dans son sens. Généralement, moun kap bambouche, kap pran plaisir, yo toujours une seule réflexion. Ah, nous pral mourir, tout son moun gen se pran plaisir. Moun nan nan vagabondage sexuel, li nan immoralité, li doit de monsieur pral mourir. Et en bataille, a pral lagé ça. Hein? Moun nan gen kòb la nan men la li krasé, li pa bezwen konnen éducation ti moun chay pi devan, c'est aller nan bambòch la krasé, le gaspiller nan brè clairé nan bière nan tout bagay nan fumain, moun nan met nan tèt li li pral mouri, donc li pa ganyen la serré. Mais non tande se même déclaration ça qui fait là, de voici de la gaieté de la joie, moun yo kè yo content, on égorge des bœufs, on tue des brebis, ça y a fait fête. Hein? On mange de la viande et l'on boit du vin, y a fait l'obéi, y a fait fête. Et y a déclaré n'a pas mangé, n'a pas boire parce que non pas pour là pour longtemps. Alors qu'en réalité, moun kap viv là, mes frères et sœurs, c'est extrêmement important. Li doué penser à après la vie sous terre. Ah, c'est très important. Li doué penser à après la vie sous terre. C'est moun ki nan monde là qui ka dit ah c'est bien manger bien vrai après quoi c'est jugement. Mais le chrétien, celui qui fréquente l'église, doit savoir qu'après la mort il y a un jugement. Et c'est notre devoir, oui, quand nous allons faire évangélisation, nous devons insister pour permettre aux gens de comprendre après la mort tout n'est pas fini. Pour qu'on ait pas le jugement et pour préparer pour éviter le jugement de Dieu. Donc comprendre bien, oui, l'Éternel fait Esaïe ouais là qui raisonnement gain dans mon yo, hein, c'est bambouché, hein, manger bref et fête, marié, surtout nous on le texte qui dit c'est marié petit yo, fait bamboche, jouit, c'est comme s'il y a joui la vie yo. Ah, mais jouir la vie à les conditionner. Les sous terre on va faire sali dodou fait et on maintenant tête ou et on va mourir puis devant, ah, mais gain direction à prendre. Il y a la mort pour la direction de la vie éternelle et la mort côté qu'on va dans l'enfer éternel, il faut en réfléchir. Donc c'est très 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 important. Alors là, et l'Éternel veut redresser comportement l'homme là pour faire connaître que ce n'est pas tout n'est pas fini après la mort.
hein, ou à bambouche ou boudi, tout fini, mais tout n'est pas fini après la mort. Verset 14, mes frères et sœurs, l'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez mort, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, va vers ce courtisan, vers Shedna, gouverneur du palais. Qu'il y a-t-il toi à toi ici? Et as-tu ici, qui as-tu ici? Que tu creuses ici un sepulcre. Il se creuse un sepulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Frères et sœurs, nous pas continuer à faire lecture, mais on a commencé à garder qui ça ouvre dit nous là. On garde verset 14 là. L'Éternel des armées me l'a révélé. Esaïe a dit qui ça l'Éternel révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez mort. Alors, l'Éternel est révélé Esaïe que l'Éternel dit, les papes qui ont quitté ça comme ça, les papes qui ont pardonné des crimes ça ont fait, les papes capables, l'Éternel dit, les papes capables de prendre comme ça, mais où pralouer, et où pralouer qui ça, oui, de qui ça l'Éternel a reproché, là, oui, frères et sœurs. Dans verset 15 là, il dit l'Éternel dit permettre Esaïe, il dit Esaïe va vers ce courtisan vers Shedna, gouverneur du palais. Donc Ayon Shedna. Qui a-t-il à toi ici et qui as-tu ici? Qui ça gagne beaucoup de là et qui est-ce qui ici là? Alors, qui ça gagne, il dit, que tu creuses ici un sepulcre. Hein? Fais cave. Fais tombeau. Et, il dit non, il se creuse un sepulcre sur la hauteur. Effectivement, Jean l'Éternel dit, l'allèle font sepulcre, il se taille une demeure dans le roc. Donc, en l'air, il allait, ils font cave. Ça, pas oublier, ça, l'Éternel a dit là, son bagage, oui, l'Éternel besoin expliquer là, qui fait que il passait par où ça. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux, il t'enveloppera comme une pelote. Donc, l'Éternel dit qui ça pour le faire, et il te fera rouler comme une balle. Côté l'Éternel dit, vous mettez à l'épreuve, le faire rouler comme même avec un ballon. Sur une terre spacieuse, là tu mourras, là seront tes chars magnifiques à toi, l'opprobre de la maison de ton maître. Alors, qui ça vous dit là? L'Éternel dit là, soit moi dit au fait là, d'ailleurs depuis l'Éternel dit faire sépulcre, c'est figure de la mort. Sépulcre là c'est tombeau, oui, c'est cavoui, c'est figure de la mort, l'Éternel dit. Et l'Éternel montrait que qui ça pral river là et l'Éternel dit map faut rouler même j'ai avec un balle sur une terre spacieuse on dit terre bien restreint c'est là li pral faut alors les dit restreint qui pas gros c'est là et li là ou ap mouri là n'a pour tout magnifique chano yo. Et toi, l'opprobre de la maison de ton maître, n'importe qui ça, qui pourrait arriver là. Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de la place. C'est avec Shedna, avec équipe à parler, la prétirer, la racher, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkija. Laisse ça, l'Éternel, qui ça le pral fait, lui pral retirer, capé chef du palais, mais c'est un lot, c'est mon serviteur, Ilkija, c'est mon saillot que lui pral choisi. Je te revêtirai de la tunique,
je te scindrai de la ceinture et je remettrai ton pouvoir entre tes mains. Alors, c'est là l'Éternel la paix avait continué pour le dire là, ça privait, libéral mettrait de ce libéral ceinture et libéral rebal pouvoir, il sera un père pour les habitants de Jérusalem. Alors, ça, c'est côté la parole avec et Isaïe là, ça, la parole avec serviteur Eliakim, fils de Ilkija, il dit c'est lui-même, libéral prend, qu'on y a là pour le bail pouvoir parce que elle a fini avec tout criminel méchant, yo. Eh bien, qu'on y a là, la réfléchi à l'avenir du pays. Et ça fait, il dit là, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Ah ouais, ça c'est un autre bagaille. Mm-hmm. Un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ah non. Ah, ça c'est gros affaire. L'Éternel fin frappé, ça pour le faire, la faire. Je mettrai sur ton épaule, sur son épaule, la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul l'ouvrira. C'est pour Eliakim, parole ça, yo. Appelé là, parce que l'Éternel fin crasé. Très important, fin crasé, tout criminel, tout méchant, c'est jugement, l'Éternel fini, pas jamais oublier ça, et non pas jamais hésiter pour nous dire, les jugements, l'Éternel fini, nous connaissons toujours rien, et on reste. Ça qu'a parlé là, belle parole qu'a parlé là, ça a concerné reste, la caprété, c'est important, oui, c'est reste, la caprété, là, c'est lui-même, l'Éternel a fait projet, a fait projet, pour reste là qu'a prêté à. Donc c'est très 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 important. L'Éternel a fait projet pour reste là qu'a prêté à. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David et quand il ouvrira, ce chef là pied oui, hein, quand il ouvrira, personne ne fermera. Et quand il fermera, personne n'ouvrira parce que l'Éternel a pébali plein pouvoir pour faire travail que Libali pour le faire. Donc c'est important pour nous comprendre ça. Frères et sœurs, verset 23, n'a pas remarqué chaque verset, il y a des figures là-dedans, aussi des bagages extraordinaires. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, verset 23, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Ça veut dire, l'Éternel dit, là, prend Eliakim, là, mettez le roi, c'est comme si l'a cloué, l'a cloué, et laissa côté l'IA, c'est la gloire qu'a baillé, et il sera un siège de gloire. Ça veut dire, on doit pour faire l'orage, on doit pour glorifier, on doit pour fêter, c'est ça que l'Ibrahim. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des riches, non nobles et ignobles, et ignobles de tous les petits ustensiles, des bassins, comme des vases. Alors, c'est ça, avait dit son monde qui vient pour rétablir l'ordre des choses. C'est ça, oui, l'Éternel dit, il peut faire avec Eliakim là. C'est ça, lui montrer là, yodou là, hein, et il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Tout bagay c'est lui même cap là, riche ton noble et monde qui pas noble, etc. Tout ustensile, tout bassin, monsieur pralé rétabli tout bagay. En ce jour là, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera élevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a déclaré. Tout bagay qui est à fait, yo douol yo, l'Éternel dit, li pralé, levé au probla. On prend tout ça qui t'a privé mal yo, l'Éternel pral levé. Mes frères et sœurs, pas oublier, l'Éternel pas choisi des gens au hasard.
et très important ça n'abdoula là, l'Éternel pas choisi des gens au hasard. L'Éternel choisit des gens à partir du respect yo gagnent pour lui, à partir de gens moun nan comporté à l'égard de l'Éternel. Si nous ta font résumé frères et sœurs depuis le commencement chapitre là non songé puisque nous gétant non ça fait notre troisième étude biblique nous gain et nous fait dans chapitre 21 hein? Alors puis devant nous l'Éternel t'est parlé de la vallée des visions, il parlait d'une ville bouillante pleine de tumulte, cité joyeuse, et il t'a montré que moun kapé mourir pas mourir par l'épée parce qu'il y a gétant courir puis aller sauver tête yo. Pourtant il y a kembe yo dans chemin, il y a fait prisonnier et il y a réduit en esclavage la parole de Dieu dit là dans verset 4 là côté Esaïe dit pas vienne crier bon côté là, pas vienne crier parce que les papes qui te consoler dans situation pays après le tomber et frères et sœurs nous garder chapitre là vrai nous en pile bagaille qui veut toute bagaille pour le craser. Muraille pour l'écraser, caillou tout bagaille et pour l'écraser, fait boule tellement craser au qu'on y a là et côté pour l'faire son sorte de barrage pour un étang pour de l'eau vient réunir, il a prend tout débris pour faire ça. L'Éternel dit tout chaillou tout bagaille prêt pour la guerre. Plus belle vallée au gain pour rempli avec chat et frères et sœurs yo dou que ni les regarder ces gros brèches qu'a gain en Israël côté que maison crasée bagaille palais et cetera toute bagaille ça pral craser yo dou yo pral livon degré a compter caille et caille yo gain yo pral craser yo tout pour capable fortifier mur yo gain pour faire. L'Éternel dit là il y a un réservoir des deux murs avec toute immondice ça yo hein et moun qui et ce qui est drôle il dit mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. On va pas regarder moun qui a bien mandé etc. Non pas bien ça parce que c'est pleurs c'est deuil c'est toute bagay qui pral gain yo te travail pour le jugement de l'Éternel. Pour tout l'Éternel dit, il pas qu'à quitter ou il pas juger parce qu'il fait trop bagaille qui mal frères et sœurs. Mais résumé chapitre là et nous toujours dou ça moi m'avoir en nous lutter pour nous faire bagaille bien parce que mal yo y a poursuivre nous. Nous venons dans moment pour nous finir c'est 41 20 74 33 36 76 58 73. Zami ou pasteur parmi les encourager aucun bébé l'Éternel. L'Éternel de gloire, l'Éternel d'amour, qui me prie l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit et béni dans la vie pas, mais dans la vie pas. Passez bonne soirée.